Salut à toutes et à tous sur la chaîne Omnus Bellicus, c'est Archange. Aujourd'hui on se retrouve pour le 9ème épisode de Valkyria Chronicles. Donc ce coup-ci j'espère que je vais réussir du premier coup toutes les missions. Pour ne pas vous faire à chaque fois un épisode, je découvre la mission, je me fais démonter et un épisode, je gagne. Je me demande à combien on en est dans la progression du bouquin. On n'aurait pas moyen de savoir. Bon, j'espère qu'on n'est pas trop loin de la fin quand même. Donc, The Woodland Snare. Je ne sais pas ce que veut dire Snare. Woodland. Le bois. La terre des bois. Surprise, attaque surprise. Voilà, donc mon anglais ne s'améliore toujours pas. Et on va lancer de suite la première cinématique parce qu'on adore les cinématiques. Est-ce qu'on va voir le cochon? Parce que je vous rappelle qu'on a trouvé 5 épisodes plus tôt un cochon ailé qui depuis n'est pas du tout réapparu, donc ça servait vraiment à rien. C'est assez ridicule. Donc il rattaque la capitale des Imperiaux apparemment. Les éclaireurs sont partis il y a longtemps, ça sonne très agréable. On devrait aller jeter un œil, peut-être qu'ils préparent un truc. Bla bla bla. Hold on! Where are you going? Don't be an idiot! Who's gonna drive the tank if you get hurt? Largo, we've gotta move our butts now! Faut pas que tu sois blessé parce que sinon qui va conduire le taf, le char? Damn! No choice. We're outnumbered. Everybody take cover! Come on, Isara! Now! Right. D'accord. Allez, vous êtes tous les deux en amoureux. La nuit, dans les bois. C'est trop choupi. Ouais. Oh, Elkin. Oh, good. Oh, tu es réveillé. Where are we? Is there... It looks like we got On était séparés par l'explosion. Le souffle de l'explosion. Il y a sans doute des impériaux pas loin. Bla 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 bla, on devrait bouger. Est-ce que t'es blessé? Est-ce que tu penses que tu peux marcher? Oui, je suis bien. Ah mon dieu. Ah, elle s'est pété la cheville. Ah non, mais c'est trop nul. But I should be okay. It's not too bad to walk on. Sorry. Bon, donc elle a la cheville cassée. Mais porte-la! Fais un truc héroïque, Walkin! Sois viril pour une fois! S'il te plaît! Ah, déjà une bataille! Eh ben écoutez, d'habitude on se... Ah non, merde! Je me disais ça va vite par rapport à d'habitude, mais c'est tout simplement parce que j'ai oublié qu'il fallait que je passe les XP et tout. On va passer, donc apparemment on est encerclé. Bla bla bla. Oui. Allô? Donc il faut se cacher pour une ligne de vue. Un peu. D'accord. Alors, vous savez quoi, on va pas mettre d'XP. Parce que sur cette mission, j'ai quand même vraiment l'impression que ça va être grosso modo une espèce de pseudo-mission d'infiltration. Je sais pas si ça va être réussi ou si ça va être un gros échec. Je vous avoue que j'ai un peu peur. Mais déjà, Welkin, je sais pas ce que c'est, donc... Je sais pas avec quoi on peut l'augmenter en XP. Et Alicia, c'est une scout, et quand même les scouts j'avais déjà pas mal augmenté et leur XP et leur équipement. Donc bon, on va dire que je pense que ça peut passer sans que je rajoute d'XP. Donc j'ai pas vu ce qu'il fallait faire, je pense qu'il faut aller d'un point A à un point B sans se faire repérer. On peut pas passer par le premier passage à guet, il faut passer par le deuxième passage à guet, à moins que ce soit un pont. Wow, it's really gotten dark. Bon, il fait noir. The lack of light means it's harder to see. Is your ankle? Sorry, I don't know how much I can run like this. Je sais pas combien de temps je peux. Mais porte-la! That's all right. Mais porte-la! Fais un truc badass au moins une fois dans ta vie. Donc là, il y a un mortier qui va tirer. No, their aim is too far off. They're probably trying to.
Mais pourquoi il vous effraie en sachant pas que vous êtes là? Il ne comprend pas. D'accord, donc il faut aller là-bas. Alors pourquoi là-bas? Je sais pas. Là, il y a des tours de garde. Mais pourquoi il y a des tours de garde? Ah, parce que c'est un peu la zone de front. Du coup, ils ont carrément construit des tours, quoi. D'accord. Bref. Donc Walkin est un scout, très bien. Donc Walkin, il peut marcher plus loin, visiblement, parce qu'il est en train de se péter la cheville. Pourquoi ils peuvent pas remonter par là, tout simplement? Je veux dire, c'est pas très très... Bon, bref. On va y aller tranquillou bilou. Donc là, le pont est cassé. Il y a vraiment une tour de quai, quoi. Ah ouais, c'est la grosse infiltration, c'est-à-dire que j'ai complètement un seul chemin où passer. Tiens, des lucioles sur une. Oh putain. Oh, je passe par les lucioles. Hey, Welkin. Des lucioles. Oh, that's a luciferant. J'étais sûr qu'il allait dire un truc parce que c'était des lucioles, quoi. The luciferant feeds mostly on manure. There could be... Hein? With luck... Je sais pas quoi faire. Comment je l'arrête? Oh, il y a un bug. Je ne peux plus. Allô? Quelque chose, s'il vous plaît. Laissez-moi marcher. Ah, c'était. Ouais, je suis caché là. Ouais, je suis bien caché. Il m'a pas vu. Ah, il me voit vraiment plus, le con. Donc là, c'est bien ce que je disais, c'est vraiment une infiltration super bien gérée. On est vraiment dans quelque chose... D'accord. Donc les fleurs comme ça, ça soigne les chevilles cassées. Nous sommes donc dans... En fait, ce qui me fait marrer, c'est qu'ils ont quand même la Ragnade, vous savez, c'est les items de soins qui permettent de récupérer quand on s'est pris un obus dans la gueule, quand on s'est pris 45 balles de mitraillette dans la jambe. Mais par contre, la Ragnade, là, qu'on a ici, ne peut pas soigner une cheville cassée, alors qu'elle peut littéralement ressusciter des morts, quasiment. Voilà, c'est pas grave, on y croit. C'est tout à fait crédible. Alors du coup j'aurais tendance à dire qu'en fait Alicia elle pourrait carrément en fait directement ramper parce qu'elle va aussi vite qu'en boitant. Sauf qu'elle est plus discrète. My turn, okay. Et elle a besoin d'herbe. Allez, vas-y. Allez Alicia. Allez, on se bouge. Tu veux me soigner, saloperie? Non, c'est pas l'air de bien marcher. Mais sérieusement, il y avait bien écrit que... Ah, peut-être que j'amène Walkin et Alicia à côté. Putain, d'accord. Par contre... Je veux bien le coup du mortier, genre on bombarde aléatoirement la rive où il y a les ennemis, ça paraît logique. Mais par contre, qu'il y ait des éclaireurs à nous qui se baladent carrément sur la rive à l'endroit où on tire au mortier, je trouve ça un peu plus limite et difficilement avalable. Voilà. Ah, il chauffe. On les entend de loin quand même les ennemis aussi. Hein. Ça c'est... D'accord. Donc voilà, le scout là, au niveau du point d'interrogation, il a failli crever comme une merde, tué par un mortier qui n'aurait jamais dû tirer. Donc on va essayer de ramener Walkin en fait, là où il y a la plante, là où il y a la fleur, pour soigner Alicia.
Voilà, ça marche. Alicia, regarde, cette fleur est bleue. C'est du Podinicera. It's a wild herb. Ouais, ouais, ouais. Just have to grind the stem and leaves down. Ah oui. Pose cette fleur sur ta cheville. It kind of stings. Ça quoi là? But I think it hurts a little less now. Ça fait moins mal. Okay. Mais porte-la. Oh là là. Donc je maintiens que je suis sûr que le Ragned aurait été plus efficace, mais ils y ont pas pensé. Hostile sighted. Waouh, on se calme. Contrôle de yeux, j'avais oublié, ça fait une semaine que j'ai pas joué, j'ai oublié les contrôles. Mais comment il me voit? Je suis complètement caché dans les fourrés. Voilà. Et lui il active pas la mine en tombant dessus. D'accord. Yes. Yes. Je suis au fond là. Là je suis à fond. Une saloperie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer de manière trilogique, on va se mettre le plus proche possible. Voilà, et on va faire avancer Alicia. On a 20 tours, je pense que c'est bon. On est large. Moving out. Est-ce qu'elle boite un peu moins maintenant? Quelle question. Évidemment qu'elle ne boite pas moins. Ils ont juste accompli une... C'était l'effet placebo, elle trouve qu'elle a moins mal, mais en fait c'est pas vrai, c'est complètement du placebo. On va la laisser là, elle. Ça parle de fleurs et tout, elle est contente. Ready to go. On va avancer Walkin du coup. Parce que l'autre elle se traîne toujours autant. Laissez-moi jouer quoi. Oh. Mais vous savez, on dirait les premiers niveaux un peu tutoriel où vous faites un truc super simple et toutes les deux minutes il y a une cinématique pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Là, sauf que là on est à la fin du jeu, enfin j'espère qu'on est à la fin du jeu. Donc c'est un peu relou quoi. C'est un peu relou. Mais là visiblement donc ils ont une radio reliée au mortier. Alors j'aimerais bien savoir où est le mec qui parle à la radio, parce que je ne vois personne. Mais bref, ils ont une radio qui est reliée au mortier. Donc si on est repéré, ils vont tirer au mortier là où on est. Et je crois que ça fait pas du bien. Gotta love nature. Oh là 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 là, c'était beau. On y croit. Donc faut que je passe par où en fait. Ah, c'est à la map. Oui, c'est vrai que c'était très logique. Ah mais c'est complètement en couloir. Ah mais je pensais que c'était genre un peu ouvert sur l'autre côté et qu'on pouvait un peu choisir par où en passer, mais c'est complètement, je vais être obligé de... C'est... D'accord. C'est pas que c'est nul, mais... Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Donc voilà, on finit ce tour là, on a tout fait. Oui. Bah c'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de suivre le chemin visiblement. On peut pas couper à travers les arbres comme ferait tout fugitif normalement... Normalement constitué. Non, non, on passe par le chemin. Vous savez, celui qui est bien balisé par les tours. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. D'accord. Oh mais... Sérieux, comment il m'a repéré le mec? Here we go. J'ai dû être repéré par la lumière peut-être, je sais pas. Des mines, superbe. Ah, niveau couverture, on est bien là. Hostile sighted. Sérieux? Oh là 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 là, la tristesse de ce tir. Ce combat d'autiste. Ready to go. Ready to go. Now.
Ah ouais, mais d'accord, quoi, carrément. Je vais complètement mourir, mais de manière complètement stupide à cause de... Ah ouais, c'est quand même méga la violence, quoi. Ready to go. Grosse violence des familles. Take this. Mais j'arrive pas à le tuer, hein, vraiment. Oh mais mon dieu, quoi. Oh là 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 là, la tristesse de ce niveau. Mais on s'éclate vraiment là, c'est... Fun absolu. Oh là là, j'ai même pas tué. Il va me tuer, mais pour de vrai. Oh putain. Eh ben c'était épique. Je pense qu'on a tous été éblouis. Mais sérieux les gars. C'est juste chiant là. Comment? Bah, j'allais dire comment ils savent que je suis là. Mais si, ils savent que je suis là, oui, effectivement. Par contre, c'est pas très sympa pour le mec qui est censé faire sa patrouille ici, parce que le pauvre, vous savez même pas s'il est en vie, s'il est mort. Et il le cible, quoi. Allez, dépêche-toi, Alicia. Allez. Voilà, on s'est un peu en limite du truc. Voilà. Elle est très bien ici. Elle est très bien. Donc maintenant, on va soigner l'autre crétin. Donc voilà, hein, la Ragned qui est censée soigner donc à peu près, je me suis pris combien de 30-35 balles dans le corps, mais qui ne peut pas soigner, bien entendu, une cheville cassée. Sinon c'est un peu de la triche, quoi, je peux comprendre. Oulala, 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 hostile sighted. D'accord, donc c'est toujours le caca, il faut que j'avance encore. Ready to go. J'ai envie de lancer une grenade, ça sert à rien, mais... Ah ouais, ça servait vraiment à rien en plus. Ok. Mais j'ai pas avancé, je suis encore dans la zone du mortier. Oh mon dieu, la tristesse. Je sais pas si je suis encore dans la zone du mortier ou pas en fait. Ah, tue-le. Fais quelque chose, Walkin. Tue-le. Oh là là, non, Walkin, t'abuses. T'es mauvais. Ah non, là je vais crever par contre. Pourquoi il a pas tiré? Pourquoi il m'a pas rushé? Je ne comprends pas. C'est un peu la déforestation quand même. Eh bien, pourquoi pas. Donc on va nettoyer ce petit Ready to go. Je vais complètement mourir. Yes. Non mais fais pas le malin, tu vas crever. Oh là 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 là, mais la tristesse de cette mission. Oh putain mais c'est chiant quoi, je suis désolé mais... Mais mon dieu, qu'on s'emmerde. Oh là là.
allez, bon, allez, on s'en fout. Allez, je la torche cette mission, elle me saoule. J'arrête après parce que c'est vraiment nul. Non, 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 longue en fait. Mais en plus, quel est l'intérêt, je veux dire, est-ce qu'ils se sont dit, tiens, c'est marrant, on va faire de l'infiltration nulle. Ça va être amusant. Tiens, non, ce n'est pas amusant, messieurs. C'est juste de la merde. Hostile sighted. On s'en fout, la luciole, on s'en fout. C'était luciole. T'es même pas là, tu le vois même pas. Allez. Voilà, hop, grosse infiltration, on est d'accord. Voilà. On fait avancer le handicapé. Moving out. Ça me déprime rien que la vitesse à laquelle elle marche, quoi. Oh là 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 là. En plus, entre nous, je trouvais ça plus logique que ça soit Walking qui se blesse et elle qui l'aide, parce que bon... Moving out. Ce qui correspondrait mieux au personnage, je trouve. Mais comment elle marche quand elle boite? Quand vous boitez, vous marchez pas comme ça, là. Elles sont encore plus mal que... Mais c'est carrément Walking qui est obligé d'activer le truc, quoi. On s'en fout. Allez. Ça prend trop longtemps. Allez, allez. Oh là là, ça prend ça aussi, c'est chiant, c'est mal fait en plus. Oh, tais-toi, 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 tais-toi. Ready to go. On passe les pétales à la brutite. Allez, 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 tais-toi, taisez-vous, mais taisez-vous. Hostile sighted. Mais l'utilité de se mettre à couvert dans ce jeu, sérieusement. Now. Voilà, dans cette tête. T'apprendras. Yes. Yes. Traverse, on est des ouf. Oh, il y a la cinématique, mais mon dieu... Pas les passer? Non, on peut pas. Super. Allez, on se dépêche... My turn, ok? My turn, ok? Allez, allez. Can't beat the smell of fresh soil. Ça sent la poussière, quoi. D'accord. Ça sent la poussière fraîche. Alicia, tu es décidément très bizarre. My turn, okay? Oh là 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 là, mais la vitesse d'Alicia, quoi. C'est trop chaud, quoi. La caméra qui est passée en mode FPS, on n'a pas compris. Allez, allez, allez. Que tous ceux qui suivent le let's play, je sais pas si vous êtes vraiment nombreux, enfin si, vous, toujours à peu près 100-200 vues sur mes vidéos, donc il y a des gens qui suivent, mais là je crois que
la plupart d'entre vous ne regardent déjà plus, ils sont déjà passés à la cinématique de fin, quoi, parce que ça n'a aucun intérêt. Vraiment aucun. Allez. Désolé, c'est juste chiant quoi les gars. Pourquoi vous avez fait cette mission quoi? Expliquez-moi. Gotta love nature. Oh punaise. Ah il m'est cher en plus le con. Ready to go. Now. Oh punaise. Il faut que je bouge Cruchasse 2 là. Mais en plus ça va se dire, ça a aucun intérêt parce que c'est juste super chiant à tuer quoi. C'est, tu peux pas vraiment le viser dans la tête. Donc t'es obligé de mettre 3 plombes à le descendre. Et je suis désolé mais c'est juste chiant quoi. Je l'attends qu'il se lève comme un con. Vas-y, vas-y, viens. Viens, tire. Ah ça marche pas. Ce jeu est bien fait. Crève comme une merde. I'll cover you, Alicia. Ah oui c'est vrai qu'ils tirent maintenant, ils font des tirs groupés maintenant. Je crois que c'est la première fois que j'utilise ce système de tirs groupés. Ce jeu est bien fait. On a deux autistes, trois autistes qui sont dans des fourrés à 2 cm l'un de l'autre, qui se tirent dessus en disant 55 balles pour se tuer. Waouh, waouh, waouh. Allez. Je vais crever. Attends, Alicia elle réplique pas? Alicia qui a 2 cm elle tire pas non plus. Donc. Tout va bien. Il va tuer Walkin. Mais il va vraiment tuer Walkin pour de vrai. Non ça va. Ça va, tout va bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Alicia, on va soigner Walkin et on va avancer jusqu'à la fleur qui sert à rien, qui est plus loin. Et ensuite seulement on amènera Walkin. Qui ensuite la soignera, enfin lui mettra 3 pétales de rose sur la chenille. Et la dépassera pour aller se faire tuer par le mec ultra bourrin. Tout un programme. My turn, ok? My turn, ok? I'm taking extra special care. Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Thank you. Oh mon dieu, c'était... J'ai pas compris. C'était surprenant. Je crois qu'elle était dans une capacité spéciale de ouf. Ou un truc dans le genre. Ah oh, carrément, ça fait des ronds quoi. Allez vite, 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 vite. Oh là là, oh c'est parfait, c'est tellement synchro. C'est parfait. Maintenant on avance la Uri. Ready to go. Là je commence à prendre le coup de la mission là. C'est pas une mince affaire. Hop, on attend là. Et on avance. Je reçois un SMS. Alicia, here's some more Ponissera. Let's get this on that ankle. D'accord. Bla bla. That's good. Je sens qu'elle va encore boiter comme une... Enemy sighted. Oh là là, c'était l'esquive.
Ah ouais, pour le raccourci, on est des ouf. Bon raccourci ça. Ça, on aime bien les raccourcis comme ça. Nous. La ravine. Ah, mais attends, on va faire avancer la Lily. Can't beat the smell of fresh soil. Est-ce qu'elle avance plus vite? J'ai l'impression qu'elle avance un chouïa. Mais vraiment un chouïa plus vite. Hein. Ouais, parce que maintenant elle rampe quand même plus lentement que ce qu'elle marche, alors qu'au début c'était l'inverse. Donc... Soyons positifs. Les Lucioles sont nos amis, hein, toujours suivre les Lucioles. On a un perso qui est naturaliste, c'est pas pour rien. Naturaliste, rien à voir. Si, naturaliste. Allez, s'il vous plaît, faites que ça finisse. C'est juste chiant les gens, quoi. Mais on peut souligner quand même ce souci de la mise en scène parce que c'est vraiment magnifique. Vraiment on est dans l'action avec ces tirs de mortier. Here we go. Voilà voilà. Non je ne suis absolument pas ironique. Ah, gotta love nature. Oui moi aussi j'aime la nature. Petite raison. Allez vas-y, on avance, on abandonne la fichier. Wow. Okay, this is probably a safe. Voilà, on se cache. Et maintenant, on fait avancer Alicia et on finit ça. Allez, s'il vous plaît, faites que ça finisse. Je sais pas combien de temps ça fait que j'enregistre, mais je pense que je vais arrêter après ça parce que ça a vraiment détruit toute ma résistance mentale, quoi. Cette mission. Oh punaise, je pouvais la soigner. Oh. Je pense que ça prend plus de temps d'amener la fille, d'amener Welkin, de la soigner, de continuer avec Welkin, que de faire ce que j'ai fait, donc on s'en fout. Ah, je pense que ça la fait pas avancer plus vite, mais ça lui augmente la taille de son... de sa barre de mouvement. En fait, ce qui est cohérent puisque elle disait, je sais pas si je vais pouvoir continuer à courir longtemps comme ça, donc... Voilà. Voilà. Et bien écoutez, c'était je pense la meilleure mission du jeu. On est tous d'accord là-dessus. Let's look for a spot. Ouais. D'accord. Oh mon dieu, mais l'XP que je me fais et les points de recherche que je me fais pour cette mission. Ah mais c'est parce que je suis rang B. C'est vrai que d'habitude je suis tout le temps rang C, rang D, parce que je fais tout le temps de la merde. Là non, je l'ai bien rushé, je pense que j'ai pas mis un tour de plus que ce qu'il fallait. J'ai dû mettre un tour de plus que ce qu'il fallait. Donc Who'd build a cottage way out here? Not that I'm complaining or anything. Non, je suis désolé. Quand vous êtes traqué dans une forêt, vous vous cachez pas dans une maison. Parce que dès qu'il y a une patrouille qui va passer par là, ils vont se dire tiens, si on est regardé dans cette maison, s'il y a rien quoi. Ça paraît évident. Toi un trou de lapin ou... Oh oui, how's your ankle holding devant la cheminée. Sorry to make you walk so far. No, it's not oh, too bad. Pas grave. Don't worry. C'est trop romantique. That's good. Un petit cottage Still, dans la forêt. Let's get an herbal compress on it just in case. Oh oui. It just figures you'd know about herbs. Fais-moi un massage avec les herbes. It just figures. Mm. Well, this here is called aloe severa. Non, c'est pas ce que je pensais en fait. There's a jelly substance. I should start calling you Docteur Nature. Very well, Doc. I entrust my ankle. Mon Dieu, je vais vraiment pas bien moi. Right, allez, on veut la scène it. De plumard sur le tapis en face de la cheminée là. Petit feu, petite musique. No, it's nice and cool. I'm just glad we found something to help. Mais... So, Welkin, what got you interested in nature to start with? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans la nature pour commencer avec ça? Well, I don't know. Les choses de mon père. Non, on ne parle pas du père.
C'est pas une bonne chose à ce moment-là. Le général Gunther. Yeah. Whenever he came home, we'd take a trip collecting bugs in the mountains or swimming. Donc il faisait des balades dans la montagne avec son père pour collecter des insectes ou nager. Somewhere along the way, going on those trips. Donc il est tombé amoureux de la nature. The general out collecting bugs. Le général collectionnait les insectes. Maybe so. Oh, tout le monde le voyait comme un héros stoïque. He had his own share of worry. Mais blablabla, on s'en fout. My mom died as a Sa mère est morte dans la Première Guerre mondiale, enfin européenne. Il ne pense pas que son père est vraiment... But everybody else, the war won him respect. Tout le monde l'adorait, blablabla. But when he was out in... Maybe I fell in love with nature because it always... Embrassez-vous et taisez-vous. Oh non, mais après un dialogue aussi chiant, il faut au moins s'embrasser, quoi, qu'on ait quelque chose, s'il vous plaît. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai l'impression que là, vous voyez, on a encore Walkie et Alicia. Le truc après, on a Isara, donc... elle s'appelle Isara ? Je sais plus comment elle s'appelle, enfin la juive, là, la Dark Scene. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer sur cette cinématique pour un peu terminer l'histoire de Walkin et Alicia. On espère vraiment qu'ils aillent un petit peu plus loin et qu'ils passent au niveau supérieur dans ce chalet. Et au prochain épisode, nous ferons donc l'histoire de du reste de la compagnie, puisqu'il y a l'air d'avoir également un combat. Sauf que là, on aura peut-être un combat plus intéressant avec plus de monde. Ah. Il passe ta tête sur son épaule. Oh, même pas, mais ils ont rêvé, c'est triste. Il préfère des tours de garde quand même, enfin je suis désolé, c'est la guerre. Ça paraît évident qu'on fait des tours de garde. Alicia, someone's coming. Et ça paraissait évident que c'était complètement con de se cacher dans une maison. Je l'avais prédit. Freeze! Welkin, what? He's badly wounded. I'm surprised he can even walk. Help me! Il est gravement blessé, c'est étonnant qu'il ait pu marcher. Do something! Well? Petit plan à 3. It's no use. Non mais il est blessé là, mais c'est... On les tue par centaines, les mecs comme ça, et là maintenant vous nous faites de la... God, mother. Non, il apprend pour sa maman. C'est moins romantique d'un coup. It's okay. Don't be afraid. Mother's right here. Mais c'est trop chelou. Ok, elle fait genre c'est sa maman. Elle le rassure. C'est trop d'émotions, j'en ai les larmes aux yeux, vraiment, je suis... Je pense que vous aussi, derrière votre écran, vous êtes en train de pleurer. Voilà, c'est un let's play riche en émotions. La tristesse tout d'abord, puis vraiment, voilà quoi, la gorge serrée. Quand un soldat qu'on tue par centaines qui vient de mourir, c'est... Voilà. En fait, j'en ai tellement rien eu à foutre que je ne suis même pas étonné de savoir... Je ne me pose même pas la question de ce qu'il a blessé, quoi. J'en ai juste rien à faire. Donc, on va terminer là-dessus, comme je l'ai dit. On va sauvegarder. Oui, je sauvegarde. J'espère que ça va sauvegarder. Oui, je sauvegarde. Et on va donc se retrouver au prochain épisode pour... Je laisse faire un truc un peu plus intéressant avec leur char, une guerre, bref, un vrai combat et pas une espèce de tutoriel d'infiltration tout pourri pourrave comme on a eu cette séance-ci. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine.